Salut à tous et à toutes, c'est After Code Cinéma. Aujourd'hui, on se retrouve sur Far Cry 3 pour le 8ème épisode du Let's Play. Et donc, il m'avait dit que je devais aller voir Willis, qui est tout près. Hein. Voilà, il est juste là. Donc, je vais aller voir Willis. Donc, je suis toujours à Baytown, hein, donc un petit village où j'avais été là, dans le dernier épisode. Donc, je parle d'avoir d'armes, hein, donc on entend que parler tout seul, je sais pas pourquoi. Quoi? Ok, donc je vais aller voir Willis. Willis, donc c'était le mec qui m'a donné le lance-flamme, je crois, hein, c'est ça. Alors. J'adore le lance-flamme. Voilà, c'est ça. Ces Allemands, ils sont vraiment bons. Ils ont ça dans le sang quand il faut tout griller. J'ai une oreillette pour vous. Merci. Vous avez déjà fait de la recours avec vos hommes? Non, non, non! Vous croyez que ce drapeau américain fait quoi ici? Ici? C'est la société, c'est l'ordre, dehors, c'est la jungle. Nos synapses se bouchent une à une sans prévenir. On perd de vue d'où on vient, qui on est. Ouais, bon. Et à propos de mon copain Oliver? Cette putain de porte est sur le point de péter, je le sens venir. Mais au fait... Vous êtes de plus en plus connus. Il fait un temps magnifique. Pourquoi, patron, tu veux aller bronzer? Et voilà ce que j'aime chez toi, Havas. Tu me fais mourir de rire. Dans ce foutu boulot, tout est tellement sérieux. Mais toi... Bon, et pour Piquet, alors? C'est quoi? J'en ai rien à foutre de ce type. Rien à foutre. T'es sûr? Alors je suis là pour quoi? Quand la rançon aurait été payée, je vendrais facilement ses amis. J'ai descendu le grand frère. J'ai fait ce que tu voulais avec le plus jeune. C'est ma sœur. Elle a tatoué ce petit blanc. S'il y a un truc dont on se fout, c'est bien ta famille. Si j'ai pas emballé ta tête à l'antenne de ma voiture, c'est que j'ai un fond de bonté. En retour, je voudrais te donner quelque chose à foutre, du petit vieux jeune bandit. Ok, Hoyt. D'accord. Ça va. Fantastique. Je trouve le temps magnifique. C'est quoi déjà le nom du village en bas? Berastown. Ramassis de partisans. Ils ont volé une liste d'expéditions qui m'était vraiment très chère. Faudrait que je leur rende visite. Content d'avoir vu Vess. Faudrait peut-être vous rendre à Berastown. Je suis sûr qu'Oliver est sur la liste. Qui peut l'avoir? Je vous le dirai quand vous y serez. Je suis débordé de travail. Vous savez où est la sortie? Ok. Bon bah j'y vais. Quitter la cabane. Ouais, c'est bon, c'est fait. Donc déjà, il y a Eraston, c'est ça? J'ai pas trop compris. Là. Ok, bah je vais là-bas. Ok, donc je suis arrivé sur l'emplacement, enfin dans la zone. Et donc, il faut que j'aille. Je suis à Berastown. Il y a une cabane sur la colline. De là, vous pouvez voir tout le village. Ne vous faites pas repérer. Je confirme. Alors, ne vous faites pas repérer, évitez d'attirer l'attention. Si je prends l'éolienne, j'attire l'attention ou pas? Bah, je vois personne, donc je vais y aller. Ouais, voilà. Je vois Hoyt. Attendez qu'il parte, sinon il va faire des boulettes aux herbes avec vos amis. Je veux que tout le monde sache, qui que vous soyez, que ceux qui aident la bande de sauvages dans la forêt finiront comme nos amis ici. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Allez, courez. Il y a un type en rayon rouge. Au niveau du champ de l'île. Merci, bonsoir. Amusez-vous bien. C'est notre homme. Occupez-vous de son extraction. Vous êtes fou? Il détient la liste d'expédition qui vous conduira jusqu'à Oliver Carswell. Elle est cryptée, mais je la décoderai si vous m'en envoyez une photo. Ah, le premier hélico que je vois dans Far Cry. Doit sauver ce type. Atteignez le point d'observation discrètement. Discrètement. Ben, je vais essayer. Hein. Ok. C'est bon, j'ai eu les deux, ils m'ont pas repéré. Ah, pleine tête, je l'ai en pleine tête à l'arc. Alors,
Sécuriser la zone. Sauver Rango. Oh merde. Oh quel con. Quel con, je me suis fait tuer par les mines. Alors, ils sont plus en train de lui tirer dessus maintenant. Allez Jason. RT. C'est bon, je l'ai eu. RT. Oh putain, merde. Oui, il y a des mines partout sur la. Dans le lac. Donc je vais essayer de les éviter. Voilà. Ok, tout en douceur. Ok. Merde. J'ai quand même pris une, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Interagir. L'agent Willis Huntley m'a demandé de vous extraire. Il dit que vous pouvez m'aider à trouver un de mes amis. Avant, dites-moi où est Oliver. Non, je dois d'abord aller au village. Je vous le dirai ensuite. Faites-la courir. Suivez-moi. Oh, vous êtes marrant, vous. Suivez-moi, je sais où les mines sont enterrées. On doit rendre au village. Ouais, ils vont te tuer, attends. Ok. Toi, tu meurs. Ok. Eh bien. Ok. Voilà, c'est ça. Suis-moi, qu'est-ce qu'il fait? Putain, pourquoi je brûle là? Tu as quoi là? Oh, le bâtard. Oui, oui, venez. On est presque arrivé au sommet. Lui à chaque fois. Bon, toi tu meurs. Voilà. J'ai quoi d'autre que marmot en fait? Ah, j'ai lance-grenade aussi. Ne lâchez pas Ringo. Rango. Ouais, mais moi j'ai ton sang. Bah vas-y, j'ouvre l'œil. Hein. Hey, c'est pas le moment de me laisser tomber. Ah, une troupe de soins. Allez, salaud, on m'attend. Y'a même pas d'ennemis de toute façon. Cherche. Pour toi. Je coupe pas les documents. Oh merde. Ok, lance-grenade là. C'est assez puissant. Hein. Ça fout le bordel aussi. Putain, le feu que j'ai fait. Wow. Mais combien de temps à trouver ces papiers, lui? Je cherche, ils sont tous foutus par terre. C'est un peu chiant les rafales. En fait. Mes affaires, quelle pagaille! Protégez-moi, je cherche encore. Waouh! Je vais péter là encore. Ah, il est fait d'artifice. C'est génial. Merde, y'en a un qui se ramène.
Putain, mais sérieux, tu mets combien de temps à trouver trois pauvres papiers là? Ça fait une casse. Ah non, je suis pas d'accord, tu viens pas là. Hein. Oh, attendez, je vais leur mettre des grenades sur la gueule. C'est bon là? C'est bon, tu l'as trouvé, putain. Tu me les donnes maintenant? Ça y est, je l'ai. J'ai trouvé la liste d'expédition. Super. Enfin, je vais prendre une photo pour Willis. Oh, pas grand-chose sur ton papier. Willis, vous avez reçu la photo? Les pirates utilisent des codes antédiluviens. Oliver est transféré le long de la vieille route. Je vous ai déjà décrypté les coordonnées. Ok, j'y vais tout de suite. Un type qui s'appelle Holt. Bah c'est bon, j'ai tout fait, hein. Non, faudrait que j'aille où? À Amanaki, voire Willis. Non, c'est pas Amanaki, ici. Je sais plus c'est quoi les trucs. Ah non, c'est là, Amanaki. Ok, et bah je crois qu'on ira le voir dans le prochain épisode. Que je sortirai dans pas longtemps, hein, vu que celui-là est assez court. Hein. Donc au prochain épisode, tout le monde. Hein. Allez, ciao!